Bonjour à tous. Non, ce n'est pas une vidéo sur les animaux. Mais bon, il est chez lui, donc voilà, il a envie d'être là. En fait, là, aujourd'hui, on est au lendemain du premier tour hein, et j'ai fait une petite vidéo sur Instagram. Enfin, d'abord, ça a commencé par une photo avec Rescue et ça a, comment dire, mobiliser pas mal de réactions positives suite à ce post. C'est assez rigolo, donc vous verrez, je vous mettrai là les images avec les chiffres et tout. Bonjour à tous, je voulais vous faire un grand merci pour votre retour avec le post sur Rescue. Franchement, je suis spontanée et je ne pouvais pas faire autrement. Et ce matin, voilà, ça va mieux déjà. J'ai pris plusieurs fois du Rescue hier soir avec des espèces de spasmes, vous savez, comme ça. Bon, ça va mieux. J'ai eu des petits échanges aussi avec certaines d'entre vous en message privé et je disais, en fait, moi j'ai envie de voter pour l'amour, voter pour ma paix personnelle. Et ça n'appartient qu'à moi en fait. Donc voilà, tout ce qui peut se passer autour, ça se passera quoi qu'il advienne. Et les tempêtes, il y en aura encore et des zones d'ombre aussi. Et en moi pareil. Donc voilà, je bosse sur moi. Et ça va déjà mieux. Et je voulais vous parler ce matin, pour le coup, enfin ce matin à midi, Chestnut Bud. Voilà, Chestnut Bud, c'est la fleur de ceux qui répètent toujours les mêmes leçons, les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Et en fait, on est dans une espèce de répétition de la vie en fait. Donc si on veut s'en sortir, ben faisons le boulot. Et voilà, je donne pas de leçons, je parle pour moi évidemment en premier. Je suis pas là pour voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des fleurs de Bac pour ça, hein, quand on est dans une espèce de circuit fermé de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous tombe sur le coin du museau, etc. Moi, pour la première fois de ma vie hier, j'ai voté un truc que je ne fais jamais, donc j'ai fait mon devoir, mais bizarrement, ni pour l'un ni pour l'autre, voilà. Donc bon, bah chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais je crois qu'on a le choix, toujours pareil, de travailler d'abord sur nous pour essayer d'œuvrer dans ce monde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit un truc comme ça, hein. Vous voyez dans le monde, blablabla, ce que l'on fait pour soi-même. Je vais pas reprendre des grandes phrases parce que bon, voilà, c'est Instagram et Facebook n'ont fait que de ça, donc ça m'intéresse pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment j'agis et surtout quel regard je porte sur la situation. Et ça n'appartient qu'à moi finalement. Donc, si je veux faire chier mon entourage avec ma douleur, ben, je pense qu'ils vont très vite me dire bon, tu nous emmerdes. Et donc voilà. Et Chestnut Bud, c'est une fleur qui est évidemment intégrée à mon flacon de façon assez régulière parce que je suis aussi à me prendre les pieds dans le tapis régulièrement sur mes propres problèmes personnels. Voilà. Grosse bise à tous et merci d'être là. C'est super gentil et je l'ai fait avec spontanéité et humour évidemment. Et Audrey qui est passée par là se reconnaîtra, disait voilà, c'est l'amour qui nous. L'humour qui nous sauvera, j'ai répondu, bah, c'est l'amour. Et le lapsus, c'est bah, oui, évidemment, les deux vont ensemble. Il n'y a qu'une quelques lettres de l'alphabet qui changent, mais ça va avec, hein. Bonne journée. Mais du coup, j'ai fait une vidéo bah, aujourd'hui, hein, puisque nous sommes le lendemain du lendemain. Et donc, cette vidéo-ci sera évidemment postée pas forcément au bon moment. Mais c'est intéressant aussi de voir que, en fait, la vie, elle est faite comme ça, n'est-ce pas? Suite à ce que vous venez de voir sur la vidéo, je parle de Chestnut Bud. Eh bien, en fait, on est toujours en boucle sur plein plein de choses. J'ai envie de faire la suite en fait de ce que j'ai fait comme vidéo parce que c'est très étrange de voir à quel point on éduque les enfants à un savoir-vivre, un savoir-être, une façon de se comporter. On les reprend 10, 15, 20, 30 fois, 100 fois, 200 fois. Et on est souvent épuisé et fatigué en tant que parent de se dire mais c'est pas possible quoi, ça rentrera jamais, ça, j'en ai ras-le-bol, etc. Mais en fait nous on a exactement le même comportement. Et des fois on s'est à se demander si on fait beaucoup d'efforts aussi pour que les choses changent pour nous. Donc voilà, le constat il est ce qu'il est, on fait ce que l'on peut évidemment. Encore une fois, comme je disais dans la vidéo, je suis pas là pour donner des leçons de vie. En tout cas, je sais que la vie se charge aussi de nous donner des leçons personnelles. Et en l'occurrence, voilà, on est en plein dedans. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour le second tour. Toujours est-il que les fleurs de Bac sont là, si vous avez besoin, le Rescue aussi.
Moi, de façon personnelle, vous avez vu ma réaction, hein, c'est évidemment de prendre du rescue et puis de continuer à cheminer avec mes émotions et donc de me faire un flacon personnel quand c'est nécessaire. Et ça l'est souvent puisque je reconduis perpétuellement aussi des flacons en ajoutant des fleurs, en substituant. Et des fois, il y en a une qui reste toujours tout au long parce que bah, c'est toujours pas rentré finalement. Et c'est quand j'arrive, voilà, où nous arrivons aussi à nous dire que là, on arrive en fait à un seuil, on ne peut plus supporter cette situation, que là, on a envie de faire quelque chose. Alors, soit on va aller voir bah, des personnes différentes en fonction de ce qu'on a envie de faire. Il y en a qui feront de l'EFT, il y en a qui feront de la sophrologie, il y en a qui feront tout un tas de choses différentes. Comme je pratique aussi certaines choses différentes de fleurs de Bac et en complément, évidemment. Rien ne dispense rien et rien ne remplace rien. On fait ce qu'on veut avec ce que l'on a. Et ça renforce évidemment, quand on prend des fleurs de Bac, ça renforce aussi des fois ce qu'on fait, tout simplement. Donc c'est complémentaire. Et moi, je vous invite vraiment à poser vos émotions sur du papier, à écrire vraiment la raison pour laquelle vous prenez certaines fleurs. En quoi, là, cette situation particulière vous malmène, vous chahute, vous bouscule, vous terrifie, vous angoisse. Parce qu'évidemment, là, actuellement, on est dans des postures plus de peur et d'émotion qui nous tirent vers le bas que d'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui nous rend cet état de paix, de joie, de tranquillité, de sérénité, d'harmonie, d'allégresse, d'humour, de souplesse, de distance, de foi. Parce que évidemment dans la vie, et ce n'est qu'une toute petite épreuve dans notre vie, parce qu'on en a déjà traversé des quantités innombrables, avec un gros gros S, et c'est pas fini en fait. Voilà, déjà arrivé sur cette terre, ce plan d'incarnation hein, qu'on a choisi, quand même, il faut se le rappeler, c'était des fois déjà une sacrée, sacrée étape dans nos vies. Et certains en ont encore les conséquences actuellement dans leur vie d'adulte, hein, leur vie intra-utérine, leur vie voilà, au sein de cette gestation, cette naissance aussi, arriver dans cette fratrie, cette vie d'ado, de jeune adulte, et tout ce qu'on a traversé, des décès, des joies, des peines, des divorces, des jobs qui n'ont pas fonctionné, des licenciements, des pertes de maison, des vols, des choses qui ont brûlé, qui ont disparu, des êtres chers qui sont partis. Et voilà, là, on en arrive aujourd'hui. C'est pas fini, hein, on le sait, c'est notre lot. C'est aussi comme ça qu'on évolue, qu'on grandit. En tout cas, moi, si je devais re-signer, je ne re-signerais pas pour pas d'épreuve, parce que finalement, c'est avec tout ça que j'arrive à être ce que je suis. Alors, ce que je suis, c'est pas l'apogée, c'est aujourd'hui, c'est un instant T, c'est un arrêt sur image, et ce que je suis est en devenir en permanence, en fait, donc tant mieux. Voilà, ça évolue, ça se transforme, ça gratte, ça pique, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je dis ça comme ça, voilà, chacun voit son vocabulaire, mais ce qui est chouette, c'est de se dire que rien ne nous attend en fait, c'est pas une aide extérieure qui va venir nous aider. Alors je vais vous dire ça et en même temps je vous propose de prendre des fleurs de Bac, vous allez me dire ah, d'accord, elle dit n'importe quoi. Bah, évidemment, être accompagné, c'est pas forcément du négatif, on a besoin aussi. Et puis en même temps, bah, c'est quand même nous qui faisons cette démarche d'être accompagné. C'est pour ça que je voulais dire d'aide extérieure. C'est pas quelqu'un qui va nous tenir la main en disant allez viens, on va bouger, tu vas voir, tu vas transformer. Tu vas te changer de job, tu vas trouver l'amour de ta vie, ou tu vas trouver la maison de tes rêves, ou t'auras des enfants. C'est aussi à nous de faire cette démarche personnelle. Et quand Bac nous dit « guéris-toi toi-même », on est responsable de sa santé, on est responsable de sa vie, ben là, en fait, c'est là dont il s'agit. C'est à nous de faire ce job, en fait. Personne ne le fera à notre place. Et donc, ben, on le fait avec ce qu'on traverse dans la vie. Et des fois, ce qu'on traverse dans la vie, et c'est souvent même, c'est pas que des fois. Enfin, c'est très, très rare des gens qui ont des vies exceptionnellement d'une grande platitude sur le plan de l'épreuve. Enfin, je veux dire, n'importe qui, demandez autour de vous, et les gens ne parlent pas, mais ils ont forcément leur histoire. C'est impossible autrement. Donc, on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Et bon, souvent, j'ai déjà dit, je ne sais pas si vous avez suivi certaines vidéos, mais je remercie vraiment les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait plus travailler. C'est celles qui m'ont le plus emmerdé, en fait, hein, qui m'ont le plus fait chier pour dire les mots tels qu'ils sont. Et c'est comme ça que j'ai plus grandi, en fait. Parce que les gens qui vous caressent dans le sens du poil et qui vous disent qu'ils vous aiment tout le temps et que vous êtes merveilleux... ou les épreuves quand il n'y en a pas,
Ben en fait, on ne se remet pas trop en question. Donc, voilà, on peut se laisser aussi un peu porter par le flot de la vie. Alors, c'est cool, hein, mais voilà, moi, je préfère aussi être un peu agitée et me dire que ben, c'est peut-être le meilleur moyen aussi pour moi d'être quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est meilleur de bien, de la meilleure version de soi-même, j'arrive même pas à le dire. Mais je pense que les versions, elles sont toutes bonnes à l'instant T, parce que cette version que nous avons été ou que j'ai été adolescente ou jeune femme, il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, bah, j'étais certainement la meilleure version que je pouvais être, hein, de toute façon. Donc, je ne pouvais pas être autrement que j'étais. Donc, c'est la vie. On chemine avec ce que l'on est, avec les événements qui nous sont proposés aussi, ou que l'on attire. Hein, parce qu'on parle de, toujours pareil, d'attirer à soi l'univers, etc. Et la loi de l'attraction. C'est plus complexe que ça, à mon sens, hein. On attire aussi beaucoup de choses, mais des fois, c'est une partie tellement infime de notre être qui est tellement déjà préprogrammée pour aller et être attirée par ce qui va nous secouer pour pouvoir justement grandir et passer par le tamis de toutes les épreuves, que voilà, c'est pas simplement des invocations au ciel qui vont faire que les choses vont bouger, en fait. Cette invocation, elle est vraiment un dialogue d'âme à âme avec nous, de nos cellules et de notre cœur, et un peu arrêter aussi avec le mental et vivre l'épreuve au mieux que nous pouvons, en fait, hein. Voilà, je m'arrête. Je vous dis à dimanche prochain.